Hop tout le monde, c'est Nadou, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 des défis à la con, des questions à la con sur GTA. Et aujourd'hui, c'est vous qui allez choisir ce qu'on va faire. Donc on va voir les votes en temps réel, on va voir les gens dans le chat sur Twitch, ceux qui ont voté, et on va voir ce qui est retenu. Alors, le tour de la map en marche arrière qui est second, pour le premier temps, on a monté le Mont Chiliad à pied. Officiellement, monter le Mont Chiliad à pied, c'est ce qui vous intéresse le plus, donc savoir le temps qu'on va mettre pour monter le Mont Chiliad à pied. Et bien c'est parti. On va y aller à la première personne, comme ça mettre un peu plus d'immersion, je pense. Je sais pas si ça va vraiment y jouer. Allez, dès que je fais, c'est un petit pas pour l'homme, et ça reste un petit pas pour les joueurs de GTA, ce qu'on va faire. Là, c'est pas un grand pas pour l'humanité, tout le monde s'en bat les couilles, hein, comme moi qui me pose des questions comme ça, de toute façon. Tu vois, c'est peut-être un défi à la con, mais ça te permet de voir GTA sous un autre angle. Ça, c'est un truc, ça, je m'amusais la dernière fois à faire en live, c'est-à-dire explorer les fonds sous-marins ou faire de la randonnée, tu vois. Mais sans spécialement faire un défi à la con, mais juste manière de profiter du paysage et de profiter de l'ambiance de GTA. Et je trouve ça cool, tu vois, regarde-moi ça, comment c'est joli. C'est beau en vrai. T'as jamais vu GTA sous cet angle, je suis sûr. C'est pas que je la découvre, c'est juste que des fois on a tendance à oublier que GTA, en fait, au final, ça peut être aussi simple que ça, tu vois. Plutôt que faire du stunt, faire le con, faire des courses-poursuites, tuer tout le monde. Mais en fait, dans ce jeu, en fait, on se rend pas compte vraiment de la profondeur du jeu en soi. Alors que juste faire une petite randonnée, tu vois, bah, tu prends ton kiff, en fait. Moi, je trouve ça super kiffant. En vrai, moi, là, je m'amuse, oui et non, tu vois, mais je profite, tu sais. Je veux dire, en soi, c'est beau. En vrai, là, on a déjà fait un quart. Ouais, je crois qu'on en est un quart, là, de réaliser. Ouais, clairement, ouais, on va beaucoup plus vite, toi, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, du coup, je vais me rendre compte un petit peu à la moitié du parcours. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à la première personne? On recommence tout à zéro à la troisième. Attention, dès qu'on est devant la fresque, c'est time, les gars, je vous le dis. Attention, time. 16 minutes 31 pour le monter à la première personne. On recommence tout. Et cette fois, la troisième personne. Allez, on efface le chronomètre, on est parti. Et puis même... J'entends des bruits super bizarres. Tous les poussins, enculés. On est déjà à 5 minutes, on est que là. Non, parce que tout à l'heure on est monté à un quart d'heure, à 5 minutes on était déjà à un tiers. Là, à 5 minutes on a fait juste ça. C'est long. En fait, la première fois, en fait, on l'a monté en sprint, quoi, tu vois ce que je veux dire? Et là, on monte vraiment à pied. Ah là, je m'amuse, là. Là, je sais pas si tu vois pour toi. Mais je fais ça pour vous aussi, au final, parce que si je me retrouve à faire ça, c'est que vous vous êtes posé la question. Et si toi, là, qui regarde ce live, tu t'es posé la question, tu me diras merci d'avoir fait ça à ta place. No one but you got me feeling this way. Well, there's so much we can explain. Maybe we're helping each other escape. En vrai, j'ai entendu des bruits trop louches là en dessous de moi. Je sais pas si vous avez entendu, il y avait des bruits trop louches et au moment où je retourne, c'est je vois la grille là en dessous. Je sais pas si vous avez entendu comme quelqu'un qui marchait juste derrière moi dans une feuille morte. Vous avez entendu, on est d'accord.
Il y avait comme si quelqu'un qui marchait dans des feuilles mortes. Au moment où je me... Tu sais, derrière moi, quoi, tu vois, en dessous de moi ou derrière moi. Et je me retourne, qu'est-ce que je vois? Je vois une putain de grille d'égout. Putain, sans déconner, tu m'étonnes qu'après t'as des gens qui psychotent et qui trouvent des secrets partout, tu sais. Alors c'est le moment où je vais vous dégoûter. C'est le moment où on est déjà au temps qu'on a mis pour monter le Mochila dans l'entier. On est à 16 minutes. Là je vous le dis, on est à 16 minutes les gars. À 16 minutes on était tout là-haut. On était tout là-haut à 16 minutes. Là à 16 minutes on n'a même pas encore commencé le vrai Mochila de quoi. On y est presque au final, on discute, on voit pas le temps passer, mais ça avance. Est-ce que vous voulez pas peut-être une petite histoire comme la dernière fois? Est-ce que vous voulez que je vous raconte une petite histoire, les amis? Vous allez me dire, est-ce que vous voulez une petite histoire? Est-ce qu'arrivé, il nous reste encore le temps de raconter une petite histoire, je pense. Alors, on va repartir sur une histoire de pingouin, justement. Donc, c'est une histoire, soit encore une fois, c'est triste, même d'ailleurs. Je pense que c'est une histoire, peut-être voire même plus triste que celle de la dernière fois. Alors, l'histoire de ce pingouin. Donc, bah c'est tout simplement l'histoire d'un pingouin sur la banquise qui rencontre un autre pingouin, tu vois. Et ils discutent un peu. Et au bout d'un moment, t'as le pingouin fait, il demande à l'autre pingouin, il fait, écoute, pourquoi tu restes debout, assis-toi. Et en fait, faut savoir que le pingouin à qui il parlait, il respirait par le cul. Mais il s'est assis. Et donc il est mort. Voilà. C'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un bar et qui dit « Salut, c'est moi !» Et en fait, c'était pas lui. Nous y sommes bientôt, les amis. C'est un grand jour. Nous y sommes bientôt, nous allons faire ces derniers mètres ensemble. Après avoir écouté des histoires sur les pingouins, après avoir entendu des blagues pas drôles, mais vraiment pas drôles du tout, nous y sommes presque. Nous y sommes presque, les amis. Alors attention. 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 Nous y sommes. Il nous manque quelques mètres. Attention. Attention. Hop là, on pousse la poubelle. Attention. Attention. 39 minutes 50. 39 minutes 50 à monter le Mochilien. Ah. 39 minutes 50. Donc officiellement, nous savons maintenant que se déplacer à la première personne va beaucoup plus vite que se déplacer à la troisième. Ça, maintenant, nous en avons la certitude. Donc pour rappeler les temps, monter le Mochilien à la première personne avec le même point de départ, nous avons mis à environ 16-17 minutes. Et là, pour le monter à la troisième personne, on a mis 40 minutes. Mais putain que c'était long! Alors attendez, bien entendu, avant de finir cette vidéo, nous allons vous montrer le secret Jetta, bien entendu. Alors, il est où le secret Jetta? Le voilà, le secret Jetta, regardez. Nous pouvons voir une magnifique tête d'alien juste ici. Et sur cette magnifique tête d'alien, bien entendu, ainsi que tous les autres animaux que nous pouvons voir sur la texture, bien entendu. Je vous invite à laisser un bon gros pouce bleu si cette vidéo vous a fait plaisir. Si on a répondu à une de vos questions existentielles, ben faites-le savoir, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à dire vous dans les commentaires les défis que vous voudrez qu'on réalise. Et n'hésitez pas à regarder pourquoi pas les précédentes vidéos. Je vous dis à très bientôt, c'était Dadou. Allez, peace!
me to